Je vais maintenant appeler Lionel Marty pour la dernière communication de la matinée. Je dirais juste en deux mots, pendant que le PowerPoint est en train d'être installé, que c'est une des caractéristiques du Collège de France que d'avoir à côté des chaires, d'avoir aussi des équipes de recherche dans lesquelles on a des gens, notamment du CNRS, mais pas seulement, d'autres établissements également, et on collabore tous ensemble. Et donc Lionel Marty, de même que Neil Ziegler, font partie des gens du CNRS qui travaillent dans nos laboratoires, et donc ces colloques sont l'occasion pour eux de contribuer de façon plus visible, je dirais, à montrer la diversité d'appartenance au Collège de France. Il n'y a pas que des gens du Collège de France, et ceci est pour nous une richesse. Les Assyriens étaient-ils sanguinaires ? La place du sang dans la rhétorique royale assyrienne. Lionel, c'est à toi. Merci Dominique. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir permis de participer à ce colloque déjà fort intéressant. Je voudrais tout d'abord vous rappeler que je ne traiterai exclusivement que des inscriptions royales assyriennes, car le corpus est tellement vaste qu'il faut bien se limiter à certaines choses. Ensuite, j'ai un tout petit peu honte de passer après les merveilles de l'Égypte, donc on va revenir seulement avec les Assyriens, et enfin, j'espère ne pas vous couper l'appétit avec les diverses choses que je vais vous montrer. Le sang a un statut ambigu dans les sociétés du Proche-Orient ancien, car il est à la fois pourvoyeur de vie et offrande aux divinités, mais aussi liquide tabou, porteur de souillure. L'une des caractéristiques de l'homme est, comme le rappellent les mythes de création, Neil Ziegler nous en a parlé tout à l'heure, d'avoir été conçu à partir du mélange d'argile et de sang. Cette spécificité n'est certainement pas indifférente au statut si particulier de ce liquide, et donc au droit ou non de le faire couler, et du tabou qui y était parfois associé. Or, c'est interdit de le répandre, se heurtait à la réalité de la guerre, moment où, inévitablement, ce précieux liquide coulait à flot. Il sera donc intéressant d'analyser les réponses apportées à cette situation, paradoxale, par les Mésopotamiens eux-mêmes, à travers un corpus parfaitement adapté, la documentation royale assyrienne produite entre les 14e et 7e siècles avant Jésus-Christ. En effet, si les pratiques guerrières assyriennes n'étaient vraisemblablement pas très différentes de celles de leurs contemporains, la façon qu'ils avaient de les exposer à travers des représentations figurées et des inscriptions longues et détaillées est exceptionnelle. Produites par la sphère royale, épuisant leur inspiration dans l'ensemble des productions littéraires et savantes mésopotamiennes, gage d'une certaine cohérence de pensée, elle présentait un discours soigneusement articulé et argumenté pour répondre aux impératifs de la rhétorique impériale. Les termes étaient aussi particulièrement choisis du fait de la nature de l'écrit, à la fois médium d'information adressé aux hommes et aux dieux, mais il faut le dire aussi comme sorte de matérialisation de la réalité. Le traitement que les Assyriens faisaient subir à leurs adversaires vaincus, qu'ils décrivent de manière détaillée tant dans les inscriptions royales que dans la décoration de leurs palais, les ont fait souvent qualifier de sanguinaires, comme le soulignent nombre de publications, tel ce commentaire issu d'un ouvrage récent à propos du roi Assurnasir Pal II, c'est toujours sur lui que ça tombe, qui mentionne sa brutalité écœurante et les comptes rendus sanguinaires de ses campagnes. Or, lorsque l'on est, comme le roi assyrien, un souverain juste et parfait, est-il possible d'être sanguinaire, c'est-à-dire de se plaire à répandre le sang et de le revendiquer de manière officielle avec de telles contraintes? Pour répondre à cette question, nous commencerons par présenter les contextes mentionnant le sang dans les inscriptions royales, tout d'abord ceux dans lesquels les Assyriens sont directement impliqués, puis ceux dans lesquels leurs adversaires sont acteurs, et enfin nous aborderons la question de la place apparemment paradoxale du sang dans les inscriptions royales. Force est de constater que, dans l'état actuel de notre corpus, et malgré cette inventivité et ce souci du détail, le sang n'apparaît que relativement tardivement dans les inscriptions royales. En effet, les premières dont la partie narrative est bien développée et utilisable par nous datent d'Adad-Nirari Ier, soit du début du XIIIe siècle. Les supplices commencent à y être décrits par son successeur, Salmanazar Ier, dont il faut encore attendre le successeur, Tukulti-Ninurta Ier, à la fin du XIIIe siècle, pour que le terme « sang » d'Amu apparaisse.
pour ensuite ne plus les quitter jusqu'à la fin de l'Empire. On soulignera aussi que, bien que le sang puisse être désigné par plusieurs mots, ce terme d'Amou sera le seul à être employé dans les inscriptions royales. Malgré cette longévité, les attestations du terme sont relativement peu nombreuses dans les textes, dans lesquels il tient à première vue une place finalement banale. Il est utilisé suivant deux images poétiques du liquide qui coule et qui teint. Le sang des guerriers morts au combat est souvent présenté comme un produit de coloration du paysage. Le verbe employé dans ces contextes est tsarapu, celui qui est caractéristique de la teinture des vêtements. Elle peut être exprimée sans comparaison, tel ce passage où Assurnasirpal II nous décrit son combat contre les troupes d'une ville située dans le Rabrouch à Bithanie. Je tuai 1000 de leurs guerriers dans les montagnes ardues, je teignis les montagnes de leur sang. Dans la plupart des cas, cette expression est associée à une comparaison, comme dans le récit que Salmanazar III fait de sa rencontre avec Rayanou le Samalite et ses alliés. Je cite « Je remplis la plaine du corps de leurs guerriers et je teignis la montagne avec leur sang, comme de la laine Nabassou, sous-entendu rouge. » La laine Nabassou, considérée de couleur rouge, est bien documentée pour les périodes antérieures dans la documentation pratique, par exemple dans les archives de Marie au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ. En revanche, elle y est absente à l'époque néo-assyrienne, où elle n'apparaît plus que dans le cadre de métaphores dans des textes littéraires. L'idéogramme servant à la désigner, Sigde, Re, De, Meda, est le même que celui de la laine Tabritu, qui apparaît, elle, dans des documentations comptables, dans les lettres, dans les rituels et dans les textes littéraires. Or, dans un texte savant d'époque néo-assyrienne, Lord Ali de Marduk, que vous avez ici, est expliquée la symbolique de cette laine. La dame de Babylone, qui a de la laine sombre derrière et de la laine Tabritu devant, la laine Tabritu devant elle est le sang d'Amou de l'intérieur qui est versé. La laine de couleur rouge symbolisait donc le sang d'Amou, et on peut accessoirement se demander si la noire dans la cassure du texte ne pouvait pas représenter le sang sombre ou noir à Damatou. La métaphore du sang qui colore le paysage s'adapte au lieu de l'affrontement et est la conséquence, bien évidemment, de celle qui est la plus commune dans les inscriptions royales assyriennes, le sang qui coule dans les éléments de topographie alentour du combat. Ainsi, par exemple, lorsque Tukulti-Ninurta Ier rencontre les 40 rois du Nahiri, il nous dit « Je combattis contre eux et j'instaurai leur défaite, j'irriguai les dépressions et les profondeurs des montagnes de leur sang. » Cette figure peut être associée à des comparaisons, comme lorsque Esaradon nous précise « J'ai fait couler leur sang des ennemis comme d'une brèche dans les dépressions des montagnes. » Ici, l'image est celle spectaculaire de la comparaison du flot de sang à celui d'une vague issue d'une digue qui se rompt. Ces figures littéraires, conséquences bien réelles des combats, expliquent certainement l'interprétation de certains des présages mentionnant des phénomènes similaires, comme par exemple dans la série Shuma'alu. En voici juste un exemple. Si au mois de Nissanou la crue arrive et que la rivière est teinte tsarapu comme du sang, il y aura la mort dans le pays. On comprend ici aisément, compte tenu de ce que je viens de vous indiquer, que la coloration couleur sang d'une rivière puisse être un mauvais présage. On notera aussi avec intérêt le jeu sur l'ambiguïté de l'idéogramme bad, qui entre dans la coloration du sang, ouj 2, et la conséquence bad peut avoir une valeur ouxet, la mort. Les présages suivants de cette tablette portant sur des colorations de rivière en lien avec le sang, sont tous négatifs. Comme on peut le constater, les descriptions de sang versé par les Assyriens sont assez peu présentes dans les textes et représentent finalement des figures littéraires bien connues. Elles sont appliquées quasi uniquement à des ensembles de soldats et donc pas au traitement individuel. Mais les Assyriens ne sont pas les seuls à être concernés par le sang. De manière intéressante, les inscriptions exposent aussi un jugement de valeur sur ceux qui répandent le sang, les
le Tabik d'Ami. On les retrouve, alors, par exemple, parmi les êtres malfaisants dont Essa Radon dresse la liste au début de sa lettre adressée au dieu Achour pour lui raconter sa campagne contre le Choubria. Je cite « Celui qui ne respectait pas le serment du dieu Achour, le roi des dieux qui n'avait pas peur de ma seigneurie, brigands, voleurs, ou ceux qui ont péché, ceux qui ont versé le sang, etc. » Bien que le texte soit cassé, il est loisible de constater que ceux qui ont versé le sang sont placés dans la même catégorie que ceux qui ont péché. Dans ce cas très précis, il est d'ailleurs fort probable qu'outre le fait de désigner des gens malfaisants, Essa Radon fasse allusion à ses frères, meurtriers de son père et réfugiés au pays de Choubria. Ce jugement négatif sur celui qui a versé le sang peut être plus général, comme lorsque Sargon II décrit l'état d'esprit de Roussa, roi d'Urartu, apprenant la défaite de ses troupes. Comme celui qui a versé le sang, il abandonna sa ville royale, Tourouchpa, comme celui qui fuit le chasseur, il se réfugia dans un endroit caché de son pays. Ce thème n'est pas exclusif des inscriptions royales, car on le retrouve dans des textes littéraires, tels la vision des enfers du prince héritier, où on nous dit « comme un homme qui a versé le sang, qui erre seul dans les roseaux ». Verser le sang est donc une activité répréhensible, faisant de son acteur un être malveillant qui doit abandonner la civilisation pour vivre, tel un démon, hors du monde. Le récit idyllique que nous livre Assurbanipal du moment où il monta sur le trône confirme cette impression. Après avoir décrit l'harmonie générale du monde, il précise qu'en Assyrie, un voyageur solitaire se promenait en sécurité dans des chemins lointains. Il n'y avait pas de voleurs et de personnes qui répandaient le sang. Les quatre régions étaient placides comme l'huile la plus fine. Celui qui répand le sang n'a pas sa place dans le monde tel qu'il devrait être. En revanche, cette situation paisible, apanage de l'univers civilisé, s'oppose à celle du monde sauvage. Ce cas est magnifiquement illustré dans un texte dans lequel Assurbanipal nous présente les dangers de la surabondance. En effet, nous dit-il, au début de son règne, les dieux Hadad et Ea furent tellement généreux avec les eaux du ciel et de la terre que la nature devient trop luxuriante et abrita notamment des lions qui firent des ravages. En dévorant des bovins, des ovins et des humains, ils, les lions, devinrent féroces et furieux. Ils grandirent en taille. Les montagnes résonnaient de leur rugissement. Les bêtes sauvages étaient constamment effrayées. Ils faisaient tomber régulièrement les animaux de la steppe. Ils répandirent le sang des hommes et ils coupèrent les communications. Le lion est ici présenté comme la bête sauvage par excellence, déstabilisant même l'ordre naturel et répandant le sang des hommes. Le roi assyrien va alors devoir intervenir pour rendre son harmonie au monde sauvage, dans un récit, et ça c'est extrêmement intéressant, dont la phraséologie est un décalque parfait d'une campagne militaire. Les inscriptions royales expriment donc un jugement de valeur négatif sur ceux qui répandent le sang, appréciation qui coïncide avec les valeurs mésopotamiennes. Le sang apparaît dans de nouveaux contextes sous les Sargonides grâce à l'évolution du style des inscriptions royales. Il peut être consommé, comme l'illustre la description de l'état de la population de Babylone lors du siège que conduisit Assurbanipal. Je cite, en parlant des habitants de Babylone, bien évidemment. « Ils ne furent pas épargnés par la faim et l'inanition. Ils mangeaient des chiens et des mangoustes. Leur péché était grand. Ils terminèrent l'herbe. Serpents, scorpions, animaux de la terre, autant qu'il y en avait, la vermine, ils épuisèrent. Ils rongèrent du cuir, des lanières, des sandales et des chaussures. Pour satisfaire leur faim, ils égorgèrent les fils, les filles, les frères, les sœurs, dans leur totalité. La chair de leurs enfants, ils mangèrent comme du pain. Le sang de leurs filles, ils burent continuellement comme de la bière. » La faim, entraînée par l'absence de nourriture, pousse les habitants de Babylone jusqu'à la dernière extrémité. Le récit présente, avec une gradation dans l'horreur, les différents moyens de substitution pour se nourrir, depuis les animaux de la rue, en passant par les mauvaises herbes, les animaux nuisibles, les produits manufacturés et pour finir par le cannibalisme. Ce dernier est exprimé
en parallèle au repas normal de pain et de bière, par la consommation de chair et du sang, et pour amplifier l'horreur, du sang évidemment et de la chair, de leur progéniture. Ces quelques exemples révèlent un jugement de valeur négatif exprimé dans les inscriptions royales envers les non-assyriens qui sont en lien avec le sang. Ils sont meurtriers, cannibales ou sauvages. Si répandre le sang est un péché et être en contact avec lui rend impur, comme l'illustre la documentation mésopotamienne en général et les inscriptions royales assyriennes en particulier, comment expliquer que ces dernières mettent aussi les Assyriens en contact avec lui ? Un premier constat doit être fait. Si les Assyriens remplissent, abreuvent, teignent, etc., le paysage de sang, ils ne le répandent jamais. En effet, le verbe « tabakou », répandre, associé au sang, n'est jamais employé dans les inscriptions royales pour décrire une action assyrienne, mais toujours une de leurs adversaires. Cette situation n'est certainement pas liée au hasard lorsqu'on se rappelle que cette racine de répandre entre dans la formation de tabit dami, celui qui répand le sang, une des façons de désigner le meurtrier. Incidemment, on remarquera que sur les représentations figurées, seul le sang des animaux est dépeint comme coulant des blessures. Comme vous pouvez le voir sur cette célèbre représentation, nous commençons par voir des animaux qui sont pourchassés, puis nous constatons que les mêmes animaux blessés saignent, le sang cessant de couler, lorsqu'ils sont morts. En revanche, dans le même programme iconographique, les adversaires pourtant blessés de la même façon, comme vous pouvez le voir ici, ne saignent pas. Nous pouvons là voir un parallèle très intéressant avec ce que l'on vient de voir pour l'Égypte. La comparaison entre les scènes décrites dans les inscriptions royales et ce que l'on sait des conséquences possibles de la colère des dieux permet d'obtenir une vision cohérente de ce qui, à l'origine, paraissait paradoxal. Les effets possibles du courroux divin sont décrits avec soin dans des malédictions ou des prophéties. Il est ainsi demandé, par exemple, au dieu Ninurta, puisse Ninurta, le premier des dieux, vous faire tomber avec sa flèche furieuse, puisse-t-il remplir avec la plaine avec votre sang, qu'il fasse manger vos chairs par les aigles et les vautours. Ce passage est parfaitement parallèle avec ce que les inscriptions royales décrivent du traitement des adversaires vaincus. Verser le sang répond donc à la rhétorique particulière du roi, bras armé de ses dieux, qui accomplit la malédiction du parjure. En revanche, il existe des cas où le châtiment promis par la divinité et sa mise en pratique diffèrent très légèrement, comme l'illustre cette prophétie de la déesse Eshtar adressée à Esarhaddon. J'arracherai la couverture de tes ennemis, je répandrai le sang des ennemis de mon roi. Le message, vous serez d'accord avec moi, est relativement clair, mais on remarquera quand même que seule la divinité a explicitement la prérogative de répandre le sang sans qu'il n'y ait de préjudice pour elle. Observez l'usage du verbe tabakou. On notera par ailleurs que si le terme pour couverture semble être un apax, il s'agit certainement d'un euphémisme pour désigner la peau des adversaires, car les liens entre la déesse Ishtar et l'écorchement des grands personnages vaincus sont explicites dans les inscriptions royales. Le souverain assyrien a donc un rôle d'acteur direct dans l'accomplissement de la colère divine. D'autres le documentent de manière indirecte. Plusieurs malédictions rappelant des passages des inscriptions royales impliquent la déesse Gula, telles que celles que l'on retrouve dans le traité de succession des Sarhaddon. Je vous en ai mis qu'une seule. Puisse la déesse Gula, la grande femme médecin, placer maladie et détresse dans vos cœurs, une blessure inguérissable dans votre corps, baigner dans le sang d'Amou et le charcou comme si c'était de l'eau. Le terme charcou, on verra certainement demain plus d'éclaircissements, on retrouve aussi dans la médecine, désigne un liquide corporel dont les traductions vont de pus à sang, et son contexte d'usage offre des parallèles intéressants avec les passages des inscriptions royales décrivant le champ de bataille rempli de sang et d'autres liquides peu ragoûtants.
On notera que cette malédiction est en lien avec la sphère de compétence de la divinité Goula, déesse de la médecine. Sa conclusion porte sur l'amplification de la souillure des individus. S'immerger dans des liquides impurs revient à inverser les effets bénéfiques du bain, qui normalement est un moyen de se débarrasser des souillures. Cette inversion de la norme est aussi bien illustrée par une des malédictions générales de ce même traité. Comme le miel est doux, puisse le sang de vos femmes, de vos fils, de vos filles être doux dans votre bouche. Là encore, le lien est très net entre malédiction divine et ce que subissent, par exemple, les habitants de Babylone parjure à leur suzerain. Ainsi, la dichotomie entre Assyriens et adversaires s'explique par la place que chacun a, les uns acteurs des malédictions, les autres les subissants. L'analyse plus précise de certains des passages en lien avec le sang dans les inscriptions royales lui donne une dimension quasi sacrificielle. Ainsi, lorsque Sargon II, dans sa lettre à Achour, demande à la divinité de le soutenir lors de son juste combat contre le roi d'Urartu et ses alliés, il précise n'avoir accompli aucune mauvaise action envers son adversaire, notamment parce que je n'ai pas traversé les frontières de Oursal-Ouartéen, limite de son vaste pays, et que je n'ai pas versé le sang de ses guerriers dans la plaine. Observez bien le verbe utilisé, le verbe nakou, qui est ici, est précisément celui employé pour désigner la libation ou le sacrifice sanglant. La description par Sennachérib de la bataille de Haloulé, qui est souvent présentée comme une des sempiternelles versions de la folie meurtrière assyrienne, est à ce propos éclairant. En voici un extrait décrivant le devenir de ses adversaires. J'abattis rapidement et instaura la défaite de Ban Undasha avec ses grands comme des taureaux engraissés portant des entraves. Je coupais leur nuque comme des jeunes béliers aslous, je tranchais leur précieuse vie comme un fil, comme une crue puissante des pluies saisonnières, je fis couler leur artère sur la vaste terre. Alors, contrairement à la traduction que propose la nouvelle édition de référence de ce texte, il n'est absolument pas fait mention explicitement de sang ici. Le terme poétique Umunu ne désigne pas le liquide, mais son conduit. La comparaison avec une inscription d'Essaradon décrivant les offrandes qu'il fit aux divinités après avoir rénové une partie du temple d'Achour et précisant les modalités d'abattage des animaux en fonction de leur type est éclairante. Observez. J'abattis des taureaux engraissés, j'égorgeais de jeunes béliers aslous, je coupais des oiseaux du ciel et des poissons des eaux souterraines sans nombre. Nous observons que le vocabulaire employé ici pour décrire le traitement des adversaires vaincus est parallèle à celui des sacrifices sanglants, avec des détails supplémentaires. Le verbe palaku, abattre, est celui utilisé spécifiquement pour les bovins, donc vous voyez ici, dans le cas de l'épopée de Gilgamesh. Et dans le texte, dans ces deux textes, nous voyons aussi que sont mentionnés des béliers aslous, bien connus et particulièrement prisés pour leur usage lors des sacrifices. Dans le texte des Saradon, on nous précise qu'ils égorgent des jeunes béliers, ce qui est l'usage standard. Il ne fait aucun doute que dans celui de Sennachérib, beaucoup plus long, nous ayons en fait les détails techniques recouverts par la réalité du verbe tabarou. C'est-à-dire, comme on peut le voir ici, trancher la tête, couper la gorge et récolter le sang récupéré. Cette technique est d'ailleurs la forme la plus banale du sacrifice, comme le rappelle par exemple un passage du mythe d'Etana, où on nous dit « Ô terre, tu as bu le sang de mon jeune bélier ». Les adversaires des Assyriens se retrouvent donc dans la situation d'être abattus selon les normes du sacrifice. Leur sang abreuvant la terre, image bien connue dans les textes, comme le rappelle une des malédictions que porte le code d'Amourabi, impliquant la déesse Eshtar, présentée sous sa forme guerrière, je cite, « puisse-t-elle faire tomber ses guerriers, qu'elle fasse boire leur sang à la terre ». Arrivé au terme de cet exposé, j'espère avoir pu vous montrer que, contrairement à ce que l'on
pourrait supposer, les Assyriens n'étaient pas littéralement si sanguinaires que cela. En effet, le sang ne tient qu'une place assez réduite dans les inscriptions royales et dans des contextes d'apparition soigneusement élaborés pour répondre aux normes de la société mésopotamienne concernant ce liquide ambivalent. L'articulation de la rhétorique royale y est très nette. Le roi peut faire couler le sang des adversaires et teindre l'environnement, car il est le bras armé de ses divinités tutélaires, et donc celui qui matérialise sur le terrain les malédictions divines qui s'abattent sur le parjure. En revanche, il ne le répand jamais, laissant cette possibilité à ses adversaires, car, action interdite aux hommes, sa transgression les met au ban de la société, tels des animaux sauvages ou des démons, qui ne peuvent plus vivre dans le monde civilisé. Ce jugement de valeur négatif est amplifié dans les inscriptions plus tardives, dans lesquelles la dimension de souillure par le sang est soulignée, distinguant soigneusement les adversaires qui sont en contact direct avec lui, par le bain ou sa consommation, du roi qui en est éloigné. Enfin, on a souligné la nature quasi sacrificielle du sang des adversaires vaincus en étudiant les parallèles frappants entre le vocabulaire du sacrifice et celui employé pour décrire leur mise à mort. Dans ces civilisations où l'écrit a une valeur de quasi-matérialisation de la réalité, on comprend aisément le soin apporté au vocabulaire employé dans une documentation dont l'objet est d'exprimer la justesse du pouvoir royal. Les liens existants avec d'autres textes littéraires, savants, voire même économiques, illustrent une réelle cohérence dans cette pensée qui souligne que, contrairement à ce que l'on en déduit trop souvent, les inscriptions royales assyriennes sont une documentation dont les normes rédactionnelles strictes permettent leur utilisation par l'historien pour aller au-delà de la simple analyse de la rhétorique royale et dont on ne peut qu'espérer que de nouvelles découvertes permettent de poursuivre ces développements. Je vous remercie de votre attention.